Bonjour mes petites fourmis, c'est Artemis du serveur 101. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouveauté sur le jeu, c'est le transfert d'étoiles des fourmis. Donc pour ceci, je vais prendre une de mes fourmis étoilées et vous montrer comment ça se passe. Tout d'abord, vous devez la retirer de votre formation, sinon ça ne pourra pas se faire. La déverrouiller, si vous l'avez verrouillée. Prendre ici, conversion d'étoiles. Donc il faut regarder, en fait c'est ici qu'il faut que je la retire. Zoup. Et voilà, maintenant ce sera accessible. Vous cliquez ici sur le carré, conversion d'étoile. Vous aurez un message qui vous dit que quand vous aurez changé d'étoile, ce sera rechangé dans vos formations de la SAP, du L. Vous cliquez sur oui. Vous allez avoir ceci, vous devez avoir des items ici. Vous choisissez la fourmi sur laquelle vous voulez transférer les étoiles. Pour pouvoir la transférer, il faut que votre fourmi soit niveau 50 et qu'elle ait toutes ses skills d'activer. Donc on va prendre ici par exemple les citons Rapax. Vous voyez, l'étoile va être transférée. Pour ceci, vous devez avoir un ossement des citons Rapax, c'est normal, puisque la première étoile, il faut un doublon. Et il faut ces items-ci. Ces items-ci que vous pouvez avoir soit via le pack au prix de 11,99€, ou à la boutique VIP. Vous en aurez 2 par semaine, c'est-à-dire qu'il vous faut 5 semaines pour avoir les 10 et transférer les étoiles à votre nouvelle fourmi. Ça peut être intéressant, ça c'est à vous de voir. On va remettre la fourmi afin que je l'oublie pas. Et la 2 ici. Et voilà. Hop, et c'est fait. Sur ce, il faut pas oublier, hop, je verrouille toujours mes fourmis pour éviter de les dézinguer par erreur. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit tour du propriétaire au niveau de mes fourmis. Voici un peu toutes les fourmis que j'ai actuellement. Et je vais donc dézinguer Jack Jumper, je vais retirer ces 2 étoiles pour récupérer, hop, je pense que c'est 12... réinitialisation d'étoiles, je vais en récupérer 12 afin de monter la rouille 5 étoiles qui est pour moi plus intéressante que Jack Jumper. Et de toute façon, Jack Jumper, je ne le serai plus dans aucune de mes formations. Je vais vous montrer mes formations type ici. Donc, au niveau des porteurs, je me ferai une formation comme ceci. Après, ici, je retirerai même Bambou afin de mettre Humicola puisqu'elle a un silence plus la combinaison avec le poison avec citrine, et je pourrais peut-être mettre Bambou ici, quoique Ouganda est plus ici en PVP, ça peut vraiment taper. Ensuite en tireur, je vais avoir cette formation ceci, comme ceci, et une formation comme ceci. Je pourrais également mettre Acacia en premier, Myrmiplata et Mystrium, ça pourrait faire un combo monstrueux, mais il faudra que je teste plus tard. Donc voilà un petit peu où j'en suis au niveau de mes fourmis. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à dire à vos amis de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. A très bientôt et bon jeu. Salut !